Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâche la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi sur son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour le 6e épisode de Pokémon Violet, le masque turquoise, le volume 1 du DLC. Donc c'est parti, on y va. Let's go. Hop là. Alors. Pardon. Alors. Alors, on en était que... Hop, Ouais, là. Ah, on peut, vas-y, on vole. Vas-y, hein. On vole jusqu'à l'endroit. Il y a des Noirfang qui est surtout. Ah, attendez, pour aller où là? Pour aller là, non? Ah bah, faut aller là. Keke, quel dommage, tu viens de manquer un événement exceptionnel. Dites, est-ce que ces Pokémon de malheur sont passés par ici? Tu ne parles pas des Adoramis, j'espère. Si, si, bref, ils sont passés où? Ils sont passés ou pas? Tu es vraiment incorrigible. Mais oui, ils sont venus, nos chers adoramis. Ils étaient au Septemplion un peu plus tôt. Ils semblaient désireux de récupérer les masques brillants que nous conservions ici. Bien évidemment, nous avons accepté et nous avons rendu leurs biens à nos sauveurs. Vous leur avez donné les masques? Bien entendu, les pauvres avaient aussi l'air affamés, alors nous leur avons offert de bons mâchis de Septentria aux épices. Vous leur avez aussi servi à manger. Les mâchis de Septentria sont pleins de bonnes vitamines. Ils doivent être gonflés à bloc. Ah non, le village l'ignore, mais les adoramis sont des méchants. Ces masques appartiennent en fait à Orgépon. Si seulement on pouvait leur dire la vérité. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils se sont dirigés vers le monstrueux. On imagine qu'ils ont décidé de nous débarrasser du monstre qui se cache dans l'ordre interdit. Nos adoramis sont si courageux. Le monstre n'a qu'à bien se tenir. Il n'y a pas de quoi rire. Ces trois-là sont probablement allés se venger dans Orgépon, si l'histoire de Papy est vraie. Il semble que le monstre s'est servi du pouvoir du masque qui lui est resté pour les combattre. Si Orgépon les affronte sans son masque, ces trois voyous ne feront qu'une bouchée de lui. On dit le sauver. Non, on doit le sauver, rendons-lui ses masques. On doit le sauver. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Divisons-nous les tâches, ok? Toi, tu vas à l'antre interdit pour sauver Orgépon. Moi, je vais passer à la maison pour réparer le masque. Tu peux me le passer s'il te plaît, et le cristal aussi. Merci. Je te rejoindrai dès que le masque sera réparé. Je compte sur toi pour protéger Orgépon. Ok. Bon.
ensuite. On doit aller ici. Ah mort Péco, je me suis dit c'est quoi ce Pokémon. Ça glisse. Et c'est par là, hein. Je me souviens. Là. Premier glatat qu'on a c'est Fortusimia. Bon, là on peut pas le capturer encore, mais on va l'attaquer. Bouan. Ah oh, bâtard! Je me suis attaqué, il met KO sur... Oh putain... Et ça suffit maintenant.
3 contre 1, vraiment, quelle honte. Mais maintenant qu'on est là, je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. On va vous faire regretter d'être revenu à la vie. Il s'enfuit. Ah, ils ont sûrement eu la frousse devant ma toute puissance. Ils ont bien raison. Et qui je... Allez, dis-lui. Pour le masque, j'ai vraiment pété un plomb. Et j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. C'est Kiké. Je l'ai trouvé en train de chouiner dans un coin, donc je l'ai amené ici par la peau du cou. Et je crois que j'ai bien fait. Mon pont. Oh, c'est le monstre en chair et en os. Il est trop mignon. Tu voulais lui rendre son masque en personne, pas vrai? Alors vas-y. Tenez au grand monstre. Il a peut-être peur parce qu'il ne te connaît pas. Tu peux lui rendre le masque, Kéké. Il n'acceptera pas s'il vient de moi, on dirait. Was a hors Japon. Il est tout content. Il a l'air d'être à l'aise avec ton Kéké. Dites, j'aimerais bien pouvoir rendre les trois autres masques hors Japon, pas vous? Mais ces trois-là, ils sont fait la malle avec les masques du Septomplion, c'est ça? Exactement, ils appartiennent à hors Japon, ces masques. C'est du vol pur et simple. Si ça se trouve, les Adorami vont venir. Et si c'est le cas, alors on sera là pour leur donner une bonne correction et protéger hors Japon. À partir de maintenant, on sera l'unité spéciale SOS masqué et volé. Alors vous en êtes? Ensuite, c'est quoi ça? C'est ce que je voulais entendre. Pour récompenser ton enthousiasme, je vais te nommer sous-chef. Et moi aussi, je peux venir? Bah oui, et maintenant que c'est réglé, allons à Jadrod pour enquêter sur les Adorami. On doit récupérer ces masques coûte que coûte. Let's go! Japon, je suis désormais. Nice, let's go. Let's go, on a au Japon. C'est un autre manica Pokémon quand même. Il a la moitié de la ville de l'autre. Tiens. Maintenant il faut aller. Ah, je veux dire, c'est quoi ça, mais... Alors, je réponds. Alors...
Est-ce qu'il est hors Japon? J'imagine qu'il a pas qu'il a pas très envie d'entrer dans le village. Après tout, les villageois de l'époque l'ont avait chassé, donc bon. C'est vrai. Dans ce corps, Japon peut nous entendre ici. Nous attendre, pardon, nous attendre ici. En enquête à trois. T'étais sûr que ça ira? Écoute-moi, Japon. J'essaie de m'exprimer clairement pour que tu comprennes. Nous pont aller village pour pont. Toi, pont, restez ici pour pont. Pompris. Ah oui, on le met. Compris, pompris. Compris. Pont. Je crois qu'il a pas. Il a pas compris. Compris. Attends-nous ici, ok. Pas sale. Il a compris cette fois, on dirait. Hein, mais c'était quoi le problème avec mon explication? C'est toujours en colère. C'est toujours en colère. Le Pokémon. Merci. Ciao, ciao. On doit se reposer, c'est ça? Non, pas cette fois, non. On pose pas. Les cristaux comme ceux de la cristallin dans ta région natale. Adorami. Récupérer un max d'informations sur les Adorami auprès des gens qui les ont vus passer. On se retrouve après pour faire le point. Ouais. Le monstrueux à toute vitesse.
il peut vraiment voler très haut, dites donc. Verrez, premier élément. Ok. Donc, j'imagine qu'il en faut 3 en tout. Binôme et toi, vous avez trouvé 3 pancartes. Resseyez-moi, on est vu. On a vu qu'une seule. Il faudra deux informations. Putain, mais... Voilà, je... Putain, mais... On change. Je reparle à l'aise, ça va me dire quoi. Oh putain. Il est cool, yo. Il m'ignore quand j'essaie de lui parler. Putain, mais j'essaie de parler à tout le monde là, j'ai juste une information. Beau être du même village, parler à ces gens m'en rend quand même nerveux. Il demande bien où Madame Nair et Monsieur Milieu se trouvent. Oh. Tant tu. Ah voilà. Et après le troisième. Oh pardon, je t'avais pas vu. Attends, me dis pas qui t'es. Laisse-moi deviner. T'es un étudiant de Paldia.
T'es en voyage scolaire, c'est ça? Et un petit village, tu sais, les informations circulent vite. Moi, c'est Lydia. Je suis globe trotteuse et j'aime bien prendre des photos. Et lui, c'est mon partenaire Caninos. Il dit. Regarde comme il est mims avec ses petites cornes sur la tête. Désolé, ça va te paraître soudain, mais je peux te prendre en photo. Quoi? T'as cette diète alors que tu connais à peine. T'as pas foireux yeux, dites donc. Fais gaffe quand même, ça pourrait te jouer des tours. Mais puisque t'es d'accord, je te prends en photo. Quelque chose de différent en toi. Une sorte de fraîcheur qui commence à me plaire. Je pense que je vais rester un petit moment dans ce village. Tu reviendras me voir quand tu auras un peu de temps libre, j'espère. Et accessoirement, quand tu auras trouvé 50 Pokémon du Pokédex de Septentrion. Ok. Il faut trouver le troisième information. Putain. Oh. Ouais, c'est relou de faire ça. Faire tous les villageois là quand tu connais pas. Y'a rien là. Oh. Ouais, c'est relou là. Comment on est trop bien ensemble, tu trouves pas? Si, carrément, bébé, je suis sûr qu'il y a le plus beau duo au monde, même parmi les Pokémon. C'est clair. Et toi, là, si tu vois un Pokémon aussi in love que nous, viens nous montrer. Et je pense pas que tu trouveras parce qu'on est vraiment un couple inséparable. Haha. Allez. Oh. Bah voilà. Et bah voilà, bingo. Bingo. Putain. Ah, il faut les trois informations. Mon popon. Nous revoilà hors Japon. Ok, rassemblons toutes les infos qu'on a récoltées. Casse, qui commence. Ok, voilà ce que j'ai trouvé de mon côté. Je vois. Grâce à votre fabuleux travail d'investigation, je crois qu'on a toutes les informations nécessaires pour retrouver ces vilains adoramis. Niel, et toi, tu as fait quoi? Heureusement que j'étais là pour former notre unité spéciale SOS Masque Volé. En tant que chef, je vous remercie chaleureusement pour vos valeurs et formes. Bref, je vais enregistrer ces informations sur ton petit smart cliquet. Comme ça, on n'oubliera rien. Ok. Maintenant, allons récupérer ces masques volés. C'est parti. Je vais passer mon tour. Hein?
Mais non, tu fais partie de l'équipe. Il faut que tu viennes. Tant que Keke est là, le monstre se sentira en sécurité. Et j'ai des trucs à faire. Désolé. Il fait encore du boudin, tu crois? Bah, on va pas le traîner de force. On va pas le traîner de force non plus. Allons-y. Sans lui. Je vais choisir par recommencer. Allons récupérer tous les masques d'Orgépon. C'est par lui. Un piquet de chocolat. Ah oui, il me suit encore hors Japon. Où ça? Ah, maternelle. Il y a un Kyria. Oh. Ah, rien de main. Je crois qu'il y avait un tortue. Ah, je vais dire quoi, un tortue? Ah. Ça aurait pu, hein, qui sait. Ouh, l'ensoleil, c'est bon ça. Un Pokémon de type plante. Oh. Il est là. Il est en fer. Il est grand un peu lui, non? Ah, voilà celui qui nous regarde mal avec sa tête énorme, là. Fortissimia. Attends, il était pas aussi gros la dernière fois. Ah, j'ai vu. Bon, t'as pas commandé, mais non. On va lui faire baisser les yeux. Fille ça, celui-là. Allons-y, Kéké. Il y a un dominant, c'est pour ça qu'il est maintenant il est grand. Si on lui met la honte en le bâton, tu crois que son visage aussi deviendra. Putain, j'aime pas comme ça, ça arrive comme ça. Et je l'attaque et il va sauter toute ma vie, cet enfoiré. Ah,
Oui, vas-y, montre-lui qui c'est le sous-chef. Il est paralysé. Il me soigne, c'est pas comme lui. J'ai plus de vie à contact là. Et voilà sa faiblesse. Allons, on enchaîne ses capacités jusqu'au KO. Paralysé, ok. Oh non, on a dû commencer par Aquatac le début. Ah, il y a ça qu'Aquatac qui me met des dégâts sur moi. Paralysé. C'est bien, reste paralysé. Hein. Reste paralysé. Hein. Ça fait 15 ballons. Non, après quoi, il est bien fait de le paralyser. Effagation. Et on l'a eu, let's go. Yo là, il est rétréci, il a repris sa forme normale. Vaste pouvoir. Qu'est-ce qu'il va prendre, vaste pouvoir? Cette type-ci, lance-flamme, le follet. Allez, ouais, place de choc-psy, allez. Vaste pouvoir. Adorami, plutôt adoraminable. Ouais. Oh, regarde, il a lâché un masque. C'est le masque avec Keeper. Bon. Youhou, on a réussi à récupérer le premier masque. Masque du puits récupéré. Mon pont. Hihi, t'es content, hein? Je m'étais déjà fait la réflexion au lac cristallin, mais je dois bien reconnaître qu'on forme une assez bonne équipe, toi et moi. Allez, plus que deux masques.
allons botter l'arrière-train des deux autres. Oh, il y a des Ninupio. Et je pense que plus tard, par là, on y reviendra parce que bah, il y aura le... un des Adorami qui sera ici, je pense. Enfin, donc on fera des nouveaux Pokémon qu'on viendra capturer et puis bah voilà quoi. On raconte qu'un gorge de l'eau de l'étang des Glycines octroie la vie éternelle. Très réputé. Il faut toutefois le faire bouillir avant de la consommer. Ok. Du coup, il restera. Allez, ici. Et aller ici. Voilà. Ok. Donc là, ça, on va retourner ici. Et voilà, bon. On continuera la suite plus tard, les gars. On fera ça dans la septième vidéo. Dans la septième partie, on ira combattre les deux autres. Et puis, voilà, tout simplement. Allez. Bon, les gars. Si cette vidéo vous a plu, ça m'a plu. On a commencé à combattre un des Adorami. Il reste plus que deux. Donc, c'est cool. Pardon, donc c'est cool. Voilà, il reste un peu deux masques à récupérer, puis voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. C'est de nouveau une nouvelle carrière sur la chaîne, et que vous voyez que mon contenu vous plaît, et bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que je suis à 511 sur la chaîne YouTube abonnés. Et j'aimerais bien atteindre un jour les 665. Et si un jour j'atteins les 665, et ben je donnerai un autre objectif. Et puis voilà, mais pour l'instant c'est 665. Donc n'hésitez pas, que ce soit ma chaîne YouTube, mes vidéos, de partager à fond sur les réseaux sociaux, de me faire connaître un peu plus, de me ramener du monde. Et puis voilà, à force, on y arrivera les gars. Et ensuite, en description de mes vidéos et dans ma propre chaîne YouTube, il y a le lien de mes réseaux, donc de Twitter à ma chaîne Twitch. Et si vous voulez me voir en live tous les jours, vous cliquez sur le lien de ma chaîne Twitch avant tout dans ma page d'accueil. Après, cliquez sur le bouton suivre une fois que vous êtes follow. Donc, attendez une minute de moi et voilà, je suis en stream tous les jours sur Twitch. Voilà, voilà, tout simplement. Et puis bah voilà, je crois que j'ai absolument tout dit. J'ai oublié. Ah oui, et puis une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer peut-être la cloche des notifications, surtout parce qu'il y a surtout personnalisé aucune. Et donc, vous cliquez surtout comme ça, c'est pas bug de notif. Et notif qui pourrait se passer ça sur la chaîne, puis là, que ce soit les vidéos ou les shorts YouTube. Je mets ça le mercredi, samedi et lundi sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, sur ce, et c'est Kéké les gars pour l'épisode 6 de Pokémon Violet, le masque turquoise volume 1 du DLC. On se retrouvera bien sûr pour l'épisode 7. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi en attendant, je vous dis tchuss la team.